Dirigez votre attention sur votre respiration. Respirez naturellement. Devenez pleinement présent à l'instant et à l'endroit où vous êtes. Centrez-vous simplement sur le mouvement rythmé de vos épaules et de votre poitrine, tandis que vous inspirez et expirez doucement. Faites en sorte que votre esprit se pose et devienne calme et présent, prêt à entrer en méditation. Développez une motivation altruiste pour cette session de méditation. Pensez que vous ne méditez pas uniquement dans votre intérêt, mais que si vous prenez ce temps pour méditer et développer votre esprit, c'est afin de devenir une personne ayant plus de sagesse et de bienveillance, une personne ayant une plus grande capacité à être bénéfique à tous. Dirigez votre attention sur votre corps physique. Trouvez la posture assise qui vous convient le mieux. Une posture où vous avez la colonne vertébrale bien droite. Une position dans laquelle vous pouvez rester conscient et éveillé, mais sans raideur ou rigidité.
Dirigez votre attention sur la partie inférieure de votre corps, là où votre corps est en contact avec la terre. Sentez la substance et le caractère charnel de votre corps. Restez concentré un moment sur ce contact, sur le poids et la substance de cette forme physique. Soyez en même temps attentif à la nature de votre esprit, de votre conscience. Maintenant, lentement et attentivement, déplacez votre attention en remontant le long du corps vers le haut. Soyez très attentif à chacun des aspects de votre corps, de vos sensations physiques. Prenez note des zones de tension et relâchez-les. Prenez note des sensations de fraîcheur ou de chaleur. Prenez note des parties de votre corps qui sont en contact avec d'autres parties. Puis remontez le long des jambes. Les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, les mains dans votre giron. Remarquez les courbes de votre silhouette. Continuez à remonter. Le ventre. La taille. La courbe des bras. Continuez. Le mouvement rythmé de votre poitrine avec la respiration. La courbe des épaules. Continuez à remonter. Lentement. Attentivement. Accordez une attention particulière aux épaules, au cou et à la mâchoire. Si vous découvrez des tensions dans ces zones, relâchez-les. Continuez à remonter.
l'inclinaison de la tête jusqu'au sommet de votre tête. Laissez votre attention s'attarder un moment au sommet de la tête. Soyez attentif à la nature, aux caractéristiques de votre esprit, de votre conscience, tandis que vous vous concentrez sur cet endroit. Sont-elles différentes de celles qui caractérisaient votre esprit quand vous étiez concentré sur la partie inférieure de votre corps? Quelle différence remarquez-vous? Maintenant, déplacez lentement votre attention du haut vers le bas, tout le long de votre corps, comme vous l'avez fait dans l'autre sens. Le sommet de la tête, le cuir chevelu, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, les mâchoires. Continuez de descendre. Progressez lentement, attentivement, en prenant note de tout ce qui concerne votre corps au fur et à mesure que vous descendez. Amenez votre attention jusqu'en bas, jusqu'au coussin, jusqu'à l'endroit où votre corps est en contact avec le sol. Là encore, concentrez-vous sur ce point et notez ce qui caractérise votre conscience quand vous vous concentrez en cet endroit. De nouveau, observez la nature de votre état mental quand vous êtes concentré sur la partie inférieure de votre corps et notez toute différence avec l'état de votre esprit quand vous êtes concentré sur le sommet de votre tête. Cet exercice peut vous amener à apprendre beaucoup de choses sur votre esprit et votre corps et sur la manière dont ils fonctionnent ensemble. Ainsi, vous pouvez observer des variations dans la coloration ou la qualité de votre esprit selon les parties du corps vers lesquelles vous dirigez votre concentration. Par exemple,
une coloration plus légère, plus spacieuse, quand l'esprit est concentré sur le sommet de la tête, ou une qualité plus stable, plus ancrée, quand il est concentré sur la partie qui est en contact avec le sol. Cela peut vous être utile dans la gestion de vos états d'esprit.
Pour finir, dédiez votre énergie et réflexion positive au bien-être et au bonheur de tous les êtres.